What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une séance axée sur les bras, mes biceps, triceps. J'avais fait une séance immersion aux biceps, mais là, j'ai envie de bosser aussi les triceps. Sachant que pour avoir des gros bras, c'est les triceps qu'il faut plus bosser que les biceps. Ça, c'est une erreur que j'ai faite il y a longtemps. J'ai su rattraper le tir, mais là, c'est vrai que là, je travaille pas beaucoup mes triceps. Et là, j'ai envie de les exploser. Mais je me sens bien, je me sens vraiment bien. J'ai pas beaucoup mangé ce matin. Hein. C'est pour ça que. Là, là, j'ai pris ma whey avec moi. Normalement, j'apprends jamais, hein, tu vois. C'est ma cuillère whey orange mangue. L'avantage, c'est qu'elle est très fine, tu vois. Du coup, je l'ai pris pour m'accompagner dans la séance. Et comme je me sens bien, malgré que j'ai pas mangé, j'ai envie de faire un peu d'exercice en lourd. Faire peut-être du bûcheron ou, je sais pas, un exopec en lourd. J'ai envie de réveiller mon système nerveux, tu vois. Je prends pas de pré-workout aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Mais je sens que j'ai vraiment envie d'en découdre aujourd'hui. Pour aucune raison, hein, juste mon corps il demande, tu vois. Et ça c'est bien, j'aime bien me sentir comme ça. Donc là, après échauffement, je vais peut-être monter en bûcheron. Histoire de réveiller mon système nerveux. Et après, tabasser mes bras. Il me faut un exercice activateur, tu vois. Un exercice qui va me mettre en mode rage. Et qui va faire en sorte que je vais faire une bonne séance. Parce que le problème, c'est que là, je fais deux petits muscles. Biceps, triceps. Je sais que le triceps, c'est quand même gros, mais ça me fait pas les mêmes sensations que quand je bosse mes pecs ou le dos, tu vois. Tu prends pas les mêmes charges. Tu vas pas mettre 100 kilos ou plus sur les triceps. Sachant que ici, ils ont pas la dips machine, tu vois. La dips machine, je peux être vraiment lourd. Je me serais bien réveillé avec ça, mais ils l'ont pas ici. Et comme ils l'ont pas, eh ben, je vais devoir me réveiller avec un autre groupe musculaire. Là, on va commencer par le coucher prise neutre. Je vais pas vraiment faire de serré, hein, tu vois. Je vais juste prendre peut-être les 20, les 30, les 40 et les 50. Faire des séries de 10 et c'est bon. Faire pareil avec le bûcheron. Haltère. Et après, on sera bien au petit pour commencer notre séance. Donc, vas-y, c'est parti, on va commencer. J'ai dit 20, mais là, mes épaules, elles sont bien là. J'ai commencé avec 32, 32 kilos. Bon, on va commencer avec 32 kilos. 32 kilos, c'est lourd, hein. Vous êtes déraqué, c'est lourd, mais je sais que quand je vais faire la première, après, ça va aller. Là, j'ai pas besoin de mettre en confiance avec les 20. 32, ça m'a l'air bien. Essayez de faire 10 reps tranquillement. Et puis voilà, on valide. Allez, c'est parti. Sans tempo, sans rien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Ok, parfait. 32. On va passer à 40 en direct. Ou 40 ou 42. On va voir, on va voir. 44. Ça passe. Normalement, ça passe. Allez. Je rappelle, hein, là, on est dans un échauffement. Juste pour réveiller le système nerveux. Et me mettre bien pour toute la suite de la séance. Comment? Hey. 8 ou 10 reps. Mais ça me ferait chier de faire 8 reps, sachant que je suis dans un échauffement. Ça me ferait chier. Même si c'est lourd. Allez. Wow. 50, ça va faire mal. Ah, ça va faire mal. Là, je me sens bien là. Franchement, peut-être que je vais pas faire du bûcheron finalement. Peut-être que je vais pas faire du bûcheron. Oh, je me sens bien.
Il y a les 52 en haltères. J'ai bien envie de les tenter, sachant que ce mouvement, mon max, c'est 50. J'ai jamais essayé au-delà de 50. Le développé couché en prise neutre. Donc on va tenter 52. Et franchement là, l'objectif c'est de faire 8 répétitions. Tu vois, c'est une charge que je connais pas dans ce mouvement là. Donc on va prendre le 52 et on va essayer de taper les 8 reps. On va bien se reposer, normalement on pourra le faire. Normalement on pourra le faire. Là, je suis prêt les 52. J'attends un peu avant de les faire. J'ai enlevé mon haut. Hein. Je sens que tu vois là je suis déjà conditionné, je suis déjà bien. Lou ma ouais là. Normalement 8 reps. Normalement ça passe. Je te cache pas, j'ai pas écrit ma séance aujourd'hui. Je sais pas par quoi on va partir. Je sais qu'une chose, c'est qu'on va se faire mal. On va se faire mal. Les triceps, c'est important. C'est vraiment important. Quand tu as un gros bras, c'est vraiment ça qu'il faut bosser en priorité. Et après tes biceps, tu vois. Et là, oui, là, je suis en repos. Hein. Je suis en repos. On est dimanche. Ça veut dire que je peux bien envoyer normalement. Je peux bien me faire mal. Il n'y a pas d'excuses. Le travail m'a fatigué. Donc je sens que non, c'est mort. Je suis parti à la salle hier. Mais c'est pas grave. Je sens que je peux bosser. Par contre, j'ai hâte. J'ai hâte de te faire des immersions jambes. Parce que là, je sais pas, on est à l'épisode combien, j'ai pas encore fait les jambes. Je les ai fait hors vidéo, tu vois. Mais j'aimerais que dans les 100 épisodes, il y a plus de vidéos jambes que le reste du corps, tu vois. Je veux que le muscle que je tabasse le plus, c'est les jambes. Parce que j'ai des objectifs avec les jambes. J'ai avoir des bonnes jambes, tu vois. Et j'ai envie de protéger mes genoux encore mieux. Donc, faut que je te les fasse. Comme je t'ai dit ici, hein, c'est compliqué. Hein, tu vois, on a dit, moi, je n'ai pas beaucoup de gens, mais les machines de jambes, elles sont collées entre elles. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Et... Malheureusement, je ne suis pas de faire ça là-bas. Mais j'ai vraiment hâte. Sans que je vais souffrir, je vais insulter des gens. Mais ça va être intéressant. Bon, 52, 8 reps. On fait ça bien. Allez. 52, c'est rien. C'est rien. T'as connu pire. T'as connu plus lourd. Tu t'es fait beaucoup plus mal. Mais là, faut que tu les passes. Faut que tu les passes. Je connais pas cette charge. Mais c'est pas grave, je suis fait pour step up. Je suis fait pour évoluer. Je suis pas fait pour stagner. Je suis pas fait pour ça. Ouais. Allez. Comment? Ouais. C'est rien. C'est rien. C'est rien. 8 reps. Je les passe. Facile. Tu vois ma main droite, ça me fait une pression, ça me fait mal. J'ai l'impression que ma main va se briser. À partir de 4, ça me fait une pression, mais je dis je peux pas. Je suis obligé de les passer. Donc que je fasse vraiment attention. Je sais pas s'il faut que je renforce mon poignet, ma poigne. Mais au niveau du grip, faut que je fasse attention. Sinon, la force, on l'a. C'est les muscles autour. Il faut renforcer pour être beaucoup plus fort, mais je suis content de passer ça. Bon, là on va faire le meilleur exercice pour les triceps, barre au front. Bon, là on va faire le meilleur exercice pour les triceps, barre au front. Alors, cet exercice là, j'aime bien mettre lourd de base, mais j'ai des douleurs au coude qui viennent parfois, tu vois, et c'est chiant, tu vois. Donc, je suis obligé de baisser les charges. Je vais commencer avec 30 kg, la barre elle fait 10. On va voir ce que ça donne. Ça me fait mal, je vais rester avec 30 kg. Si ça va,
je vais mettre 20 poids de chaque, je vais mettre 50, tu vois. Donc on va se faire 10 répétitions tranquillement, juste pour jauger mes coudes. On va voir ça. Hop, allez. J'aime bien la barre Z pour ce mouvement. J'ai moins de pression sur les poignets. Allez. Une. Deux. On fait 10. 3. 4. 5. 6. Ouais. 7. 8. 9. 10. Ok, parfait. J'ai un peu mal, hein. J'ai un peu mal, mais j'essaie de mettre des poids de 5 en plus. Je mets des poids de 5 et genre comment je me sens. Et on va peut-être le faire en super set avec des hauts pieds couchés en prise serrée. Juste après, comme ça, ça va se faire deux exos triceps cool qui vont être bien. Quand j'ai dit que la barre au front, c'est le meilleur exo pour les triceps, c'est vraiment le meilleur exo pour les triceps. Parce que tu peux vraiment mettre lourd. Tu peux mettre lourd, tu peux te faire mal, tu peux te défoncer, tu casses beaucoup plus de fibres musculaires. Il faut le faire, les gars, faut le faire. Soit ça, soit la dips machine. Faut faire ces mouvements-là, faut faire plus ces mouvements-là que tu fais de la poulie, tu vois. Parce que ça, ça va t'aider à tout tuer. C'est comme le développé militaire pour les épaules, tu vois. C'est l'exercice où tu mets le plus lourd pour ton muscle. Donc, fais-le, matraque-le. C'est en mettant lourd qu'on change. C'est en mettant lourd que ton muscle grossit, tu vois. Donc, il faut le faire. Là, j'ai mis les 15 kilos là, de chaque. Donc, on va voir. Et on va essayer de se faire notre petit superset tranquillement. Normalement, ça va bien se passer. Et on va se le faire 3 fois. 3 fois 10, 10, ok? Ou 8, 8. Tout dépend de ma forme, tout dépend. Ça fait vraiment mal. Mais on va essayer de faire ça bien, parce que c'est important. Allez, comment? Fais ça bien. Hey. Une. Deux. Trois. Quatre, je vais m'arrêter à 8. 5. 6, allez. 7. 8. Oh. Couché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, je me suis arrêté à 8 parce que la pression poignet coude était trop forte, tu vois. Ça me faisait un peu mal aussi, je sens bien mes triceps, donc c'est bon, je m'arrête à 8. Mais après, le truc, c'est que le coucher en serré pour les triceps, il est relativement léger, tu vois. Donc j'ai fait 20 reps. Là, j'essaie de faire un truc cool. J'essaie de faire, là on a fait 20 reps. Pour l'autre, coucher serré, on va à la 30. Et pour la dernière, on va à la 40. Tu vois. Là, on va se fumer. On va se fumer. C'est le but. C'est vraiment le but. Après, on peut rigoler à la poule et tout. Mais on va faire ça bien. On va faire ça bien. Je me repose un peu et je repars. D'ailleurs, je pense que je vais lancer un truc cool. Si d'ici dans les commentaires tu me dis Dams, fais une séance point faible triceps, point faible dos, point faible épaule, fais une séance épaule biceps, fais une séance si, je vais le faire. Tous les commentaires sous ces formats de vidéos qui parleront de muscles en particulier, qui parleront de points faibles ou manque de ressenti sur le dos ou quoi que ce soit, ben je ferai une séance immersion adaptée à ton commentaire. Ça peut être intéressant et ça peut faire vivre, on va dire, la chaîne et ses contenus.
parce que je compte arriver à 100 vidéos comme ça. Et après, on va faire un autre objectif, tu vois. On va coucher vidéo immersion, mais je vais en faire 100, tu vois. Je veux en faire 100. Au moins 100 en bulk day. Et après, on va couper, tu vois. On va cut. En fait, je pense plus aux 30 répétitions à la fin qu'au premier exercice. C'est une dinguerie. Tellement que ça me fait mal. Fais ça bien. Ouf. 40, je sais pas comment je vais faire. Je te jure, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire pour 40. Ah, c'est incroyable. Oh. C'est clair où elle est bien, mais heureusement qu'elle est très sucrée, tu vois. Comparée à celle à la pêche. C'est celle très sucrée, donc elle est bonne, mais elle donne soif, tu vois. Donc je suis pressé de la finir et après prendre de l'eau, vraiment boire de l'eau. C'est pour ça que je prends pas de Clearway dans mes séances. Enfin, j'en prends moins du coup. Parce que j'aime l'eau, tu vois, et ça me donne soif vite. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je donne des défis cons. Il faut les assumer. Peut-être que je vais faire 20. Et après, je fais une petite pause et je vais repartir sur 20. Pour la dernière. Allez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie quand ça fait mal. On manque 20. 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. 1, 2, 3. Oh. Le reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 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 C'est trop. C'est incroyable. Oh. On est bien avec ça. C'est bon. Poulie. Là, je prends la barre droite, c'est là où j'ai le meilleur ressenti. On va commencer avec une prise pronation, tranquillement, pour chauffer. Je vais mettre 12 kilos, on va faire 30 reps. Et après, on va commencer le premier exercice, on va faire ça bien.
Hop, bon mouvement. Et on balance. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. La poulie, faut pas mettre très lourd, ça sert à rien. Tu vas te faire mal pour rien. Faut travailler en série longue pour bien bosser ses triceps. Là après on va faire un bicep qui va vraiment être incroyable. On l'a déjà fait dans mes vidéos. Prise. Supination. 20. Pronation. 20. Faire ça 4 fois, tranquillement. On va mettre 10 kilos. Et faire un mouvement propre, tu vois. Un mouvement propre, un contrôle parfait. Comme ça on va bien avoir mal. Et avoir une conjonction qui sera vraiment incroyable. Oh. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas autant fumé les triceps. C'est une dinguerie. Allez, c'est parti. Là, je suis chaud. Je suis vraiment chaud. Supination. 2. 3. 4. Allez. 5. 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, lui c'est facile, là, 12, ça commence, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, allez, 19, 20. Ok, ça, ça brûle. Tu crois que c'est fini? C'est pas fini. Pareil comme ça. 1. 2. 3. Allez. 4. 5. Wow. 6. Que 10 kilos. 7. Allez. 8. 9. 10. 11, allez, 12, ça vient, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wow, 3 fois ça, 3 fois, ça va me tuer, vraiment, mais c'est ce qu'il me faut. Il me faut des triceps énormes. C'est important. Est-ce que j'ai un chocolat dedans là? Ouais. J'ai un chocolat. J'ai un break bar. Je vais me le faire. Alors là, c'est incroyable. My protein, toujours. Mais le code d'âme, ça, c'est important. Parce que là, je sens que mon énergie, là, elle est en train de fuir. Elle est vraiment en train de fuir. Donc, on va se prendre ça. Et après, on repart. Je sais pas si je me perds de dips. Il y a des dips là-bas. Parce que le problème, c'est que quand tu bosses tes triceps en lourd, en exercice, machine, poulie, tu te fais mal. Après, tu fais des dips, bah, tu as une douleur qui est pas agréable, tu vois. Dips, c'est bien pour commencer. Mais je vais voir, ça va dépendre de mes triceps. Ça va dépendre. Chaque fois, on fait biceps après, ça va faire mal. J'ai pris la moitié. Ça va. L'autre moitié, j'apprendrai après. C'est parti, on y va. Fais ça bien. Là, par contre, j'ai augmenté à 12,5. 10, ça va brûler à la fin, mais 12,5, ça me brûle encore plus. J'ai vraiment envie d'avoir mal, tu vois. Vraiment. Là, je sens déjà que là, ça me tue. Je le sens déjà. Mais c'est ça qui est bon. Allez. 1. 2. 3. Toujours un bon contrôle. 4. 5. 6, allez, 7,
8, 9, 10, c'est rien. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Wow. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. Wow. 6. 7. 8. 9. Oh, je vais te poser. 10. 11, c'est dans ma tête. 12. 13. 14. 15. 16. Allez. 17. 18. 19. 20. En fait, quand tu as envie de poser la barre, mais que tu fais quand même un mouvement complet, c'est que c'est dans la tête. Quand par exemple tu fais un demi-mouvement et là tu sens que c'est trop dur, tu peux poser la barre. Mais tant que tu fais que des mouvements complets, tu poses pas la barre. C'est ma nouvelle règle maintenant. Oh, boire mon truc, alors je mange là. Dernière, j'allais le mettre plus haut, mais ce serait du suicide, tu vois. Du coup, on va mettre quand même plus haut. 15. 15 kilos, on verra si j'assume les reps complètes. 20, on va voir ça. Voilà, j'ai pris un bon 2 minutes 30 de repos. Un bon 2:30. 15, pareil. Ça va être super dur. Je le sens. Mais ça qui est bon, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je t'assure que ça fait mal. Full contrôlé. Je t'assure que ça fait mal. C'est une dinguerie. Allez, dernière. Prenez bon. Fais ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment le truc le plus fort possible. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dinguerie. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, encore 2, 19, last, 20. Ok, parfait. C'est incroyable, ça fait mal. C'est ça qui est bon. Franchement, c'est ça qui est... Là, on va reprendre les biceps. On va faire un exo de fou, ok? Un exo où il faut vraiment être fou pour tenir. Là, je vais varier en fonction des poids. Je reste à 15 kilos. Je vais faire 20 répétitions. On va mettre un poids plus bas, 20 répétitions. Remettre un poids haut, 20 répétitions. On va faire ça 5 fois. Ça va faire 100 répétitions, tu vois? Pour être bien. On commence à 15. Je te dirai les poids que je mets à chaque fois.
Avant, je pouvais vraiment mettre lourd. Parce que j'avais beaucoup d'endurance avec des biceps. Là, c'est beaucoup plus dur. Alors, pour le corps, la poulie. Hop, là, je prends. Je mets mes épaules légèrement en arrière. Je serre bien la barre. Et je balance. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Là, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de, on va doucement, non, là, ça, on envoie. Là, c'était facile, tu vois, ça s'est vu, je mets 25 kilos. Là, je vais mourir, tu vois. Oh. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Comment ? 11, 12, 13, 14, 15. Oh, allez. 16, 17, 18, 19, 20, 2. Oh, je redescends à 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 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 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Oh. 12, 5. Oh. 3, il en manque 2. Allez. Oh. Comment on fait ça bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai mal de fou là. Moins 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Dernière 7 et demi. Trois petites gorgées. Wow. Ah, c'est une dinguerie. J'ai mal. J'ai mal. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je peux faire des mouvements complets parce que je sens la crampe. Je peux pas contracter parce que je sens la crampe. Mais ah, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. Je sens que mes biceps, ils peuvent me faire une crampe bien, bien vite. J'ai de la chance, c'est que dans la salle, il fait froid, tu vois. Donc, rester dans le froid, ça va permettre à mon corps de refroidir un peu et soulager mes débuts de crampes. Mais là, j'ai vraiment mal, c'est incroyable, vraiment. Franchement, je me suis mis dans un coin où il fait un peu frais, tu vois, où la clim elle souffle un peu, histoire de refroidir mes bras, vraiment, parce que là, je sens que j'ai mal. Sachant que hier, j'ai fait un peu les bras à la fin, je fais pec dos et un peu les bras à la fin, là, je sens. Là, je sens la petite crampe venir. Tiens, que j'ai soulevé lourd quand même au bras. Si je me trompe pas, j'ai pris la barre en prise neutre. J'ai mis deux poids de 20. J'ai fait mes séries. Franchement, j'étais comme un fou. Mais là, je sens que ça me fait mal. Je sens que ça me fait mal. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que j'ai pas envie de partir comme ça, finir comme ça, tu vois. Je suis quand même chaud. Mais faut que mon corps se refroidisse. Vraiment. Je vais peut-être faire petite machine guidée dans l'escalier, histoire de pumper un peu. Je verrai. Mais là, vraiment, faut que je me pose. C'est important. D'ailleurs, ouais, là, je passe un cap. Hein. D'ailleurs, ouais, là, j'ai passé un cap. Tu vois, là, j'enchaîne des vidéos de 40 minutes, de plus de 30 minutes, 50 minutes. Bientôt, il y aura une vidéo d'une heure, normalement, si tout se passe bien. C'est sûr, parce que, tu vois, ce format-là,
C'est vraiment, je m'entraîne, mais je m'entraîne aussi avec des abonnés, des frérots de la salle, tu vois. D'ailleurs, là, je passe un cap. Faire plus de 6 vidéos à la suite, de plus de 30 minutes, faire des 40 minutes, des 50 minutes. Je suis sûr qu'il y aura bientôt une vidéo d'une heure, tu vois. On explose, on fait ça bien. C'est important. Et les vidéos de plus d'une heure, je pense que ça va être l'essence ou quand je m'entraîne avec quelqu'un, tu vois, parce que j'ai envie de faire ces mêmes vidéos, immersion, mais je suis avec quelqu'un, tu vois. Une personne qui me suit, ou alors, je sais pas, un frérot de la salle, un mec qui va une vidéo avec moi, que ce soit sur Saint-Etienne, sur Lyon, peu importe, je me sors de Paris. On fait ça bien. On avance, on propose du contenu, on motive, et on se détruit à fond. Parce que c'est important. En tout cas, première vidéo d'une heure, je sais pas vers avec quand, mais j'ai hâte. Ça va être incroyable. Bon, là, je peux plus me faire les biceps. Sinon, je vais me manger une crampe de l'enfer et j'ai pas envie, tu vois. Son cœur, je l'ai bien fait. Donc, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que j'ai bien attaqué les triceps. Et aussi les biceps, hein, avec ce que j'ai fait là, ça m'a fait du bien. Je vais faire un escalier épaule, élévation latérale, 6 kilos. Et après, on va se poser hein, tranquillement. Je pense qu'on finira la vidéo là. Ça fera une petite séance, immersion. Mais comme quoi, faut écouter son corps. Hein. Si tu sens que t'as fait les biceps un jour, l'autre jour, tu vas encore les faire, tu sens que la crampe va venir, arrête tout de suite. Arrête, fais une pause. Fais autre chose. Fais du cardio. Je vais peut-être faire un peu de vélo, un peu d'escalier. C'est le meilleur cardio. Et puis comme ça, je serai bien. Ou du rameur, on verra. Mais en tout cas, escalier. On va tout tuer. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, une, deux. Mon mouvement n'est même pas propre. Une, deux, j'ai trop mal au bras. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, je crois que je suis à 9. 1, 2, 10, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Parfait. On est bien. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Mets le code DAMS sur MyProtein pour soutenir la chaîne. N'oublie pas, tous mes programmes en immersion où tu peux les faire avec moi, c'est sur la chaîne secondaire DAMS Jordan Training, parce que beaucoup de personnes me posent encore ces questions-là. En mode, refais des vidéos programmes et tout sur ma chaîne secondaire. Et puis voilà. En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo immersion.